pas à son maximum du côté de Silvio. Oh! Très agressif encore une fois de la part de Silvio. Il emporte de Kevin Mayer, malheureusement. Contrairement à Francis Tasson, il n'a pas de niveau. De belle façon pour être en mesure d'aller chercher un avantage considérable sur Silvio Mopréan. Chase Silvio Dos Santos. Oh, un petit peu de suicide d'initiation de la part de Silvio. Ça va se rapprocher un peu, j'ai l'impression que c'est ici que ça va se passer. Ouais, la part des deux, un petit peu à l'intérieur. Oh, Silvio, un petit peu de difficulté à l'entrée du clipping zone numéro 6. Morin, pas très loin derrière, on utilise une ligne un petit peu plus chaleureuse. Et on vient compléter notre tour. Et super initiation, haute vitesse pour jouer de la guitare. Belle transition, Simon Chantelot qui se tire. Malheureusement, une roue off pour Simon Chantelot. Ça va être bien. Et Simon Chartier qui est quand même relativement prêt dans les circonstances. Bonne main d'applaudissement pour les deux pilotes. Lance, on entend les moteurs, on va les voir sortir derrière l'estrade. Schaffner leads guitar. Très bonne initiation, belle entrée dans l'infield de la part de Schaffner. Oh, trop de vitesse. Trop de vitesse, malheureusement. Clip numéro 2, on n'a pas été en mesure de garder le véhicule. Sur le circuit, Jonathan Guitar. Et continue sa run. Simplement terminé son tour de piste sans erreur majeure pour être en mesure de prendre une place dans Graded Fast Wheel. Et... Oh! Initiation ultra rapide de Francis Tassé. On a déjà un bon gap sur Brad Carter. Qui touche le clipping point. Ça, ça va être vraiment coûteux pour lui. Francis Tassé. Oh! Brad Carter, super agressé à l'entrée du bank. On a quand même réussi à se rapprocher un petit peu. Mais là, Dali Grunt va définitivement à France. Alors, on se présente à l'initiation. Quand même assez près. Comme on dit, un gap raisonnable de la part de Francis Tassé. Oh, yeah! Au travers de Francis Tassé, qui a plus de groupes quand même. Mais la voiture de Dali Grunt, et on va essayer de se rapprocher dans le dernier make-in. Francis Tassé qui se rapproche suffisamment. Oh, il est très intelligent là-dessus de la part de Francis Tassé. Oui, on a personnellement. Small cam! Doyon Leeds Blanchette! Oh! Contact! De part de Blanchette à l'initiation sur Francis Doyon. Francis Doyon en mesure de garder sa drift. Et on est en mesure de continuer le tour du côté de Francis Doyon. Aïe, aïe, aïe! La part de Francis Doyon, une sortie de piste. Le contact a été quand même assez violent. La part de Blanchette sur Doyon. On continue notre tour de piste. Et mesdames et messieurs, on applaudit Francis Doyon! Aïe, aïe, aïe! Francis Doyon. À l'initiation, Blanchette déjà très loin devant Doyon. Le Doyon, on joue safe, mais il est safe puis safe. Doyon, il semble être en mesure de se rapprocher un peu de Blanchette. On va dans le secteur 2. Le clipping zone numéro 4 de Le Doyon, c'est tout. Et on est en mesure de le faire à l'entrée. Pour le clipping zone numéro 6, on prend une ligne un peu plus shallow à l'intérieur pour se rapprocher d'Alexandre Blanchette. Et on vient compléter notre tour. Patire va très bien au troisième et c'est lancé. Et Poirier quand même qui est très très près de Patire. On a passé près de faire carrément une tentative. On a réussi à mettre la partie pour arracher le clipping point. Poirier qui est un peu squeezé du bien derrière. Ça va de la voiture partir. On va chercher tous les
Et pour y encore une fois qui se rapproche, oh monsieur, on arrache tout ce qui bouge sur la piste. Ok, pour le spectacle, Poirier y a été. Par contre, c'est peut-être pas grave. À l'initiation, Poirier, un peu moins dingue que d'habitude, un peu plus conservateur. On passe pas, je vais mettre un peu de sur la piste. Jusqu'à maintenant, ça va très bien pour Poirier. Patin, c'est donné un gap, un peu trop confortable. On est presque sûr à l'entrée du bank. Dans le banking, Poirier est en haut, partir très, très, très shallow. Ish! C'est pas la meilleure chase run de partir, c'est ordinaire. J'ai l'impression qu'il est clippé, on regarde une partie de Tom-Tom sur Mélostal. Du côté de Tom-Tom. Grosse main d'applaudissement pour le chase run de Tom-Tom. Tom-Tom est en mesure de le donner sur le premier tour. C'est ce qu'on regarde là. Oh! Perte de vitesse en Miro, extrêmement shallow à l'entrée du clipping point numéro 6. Et j'ai vu deux straight de la part de la voiture de Miro of Sharik. On a eu une initiation ultra rapide, comme à son habitude pour Jeff Laflamme. Un peu moins dans le derrière pour Alex Gosselin, mais on reste très près de la voiture de Jeff Laflamme. Une transition dans une ville. Oh, Gosselin, agressif à l'intérieur. Jeff Laflamme, lead run de faux! Wow! Et Jeff Laflamme, encore une fois, qui va essayer d'attaquer. Oui, dès le départ, on se rapproche de Alex Gosselin. Beaucoup d'angle! Oh, on a presque rentré en contact! Quel contrôle de main de Jeff Laflamme! Incroyable! Encore une fois, on est dans la porte de Gosselin. Gosselin, très près du monde. Jeff Laflamme, oh, mon oh, et Jeff Laflamme qui ramasse des morceaux de la voiture de Alex Gosselin. Oh, Alex a tout donné là-dessus. Gros contact avec le mur. Ok, boys, tossez Leeds, Morin. Oh, un gros gap déjà à l'initiation entre Tossé et Morin. Morin, connaissez. Oh, une roue, possiblement deux de la part de Tossé entre l'équipe et deux. On s'amène secteur numéro 3, flipping zone numéro 6. Et Tossé tente de s'échapper de Morin, mais Morin est resté pratiquement au même endroit du début à la fin. On a fait un. Kevin Morin leads. On va les voir sortir les Smoking Boys. Bonne initiation de la part de Morin. Tossé, un peu gêné l'initiation, j'ai aimé ça voir un peu plus agressif. On va passer. On s'amène au flipping point numéro 3. Oh! On s'amène zone numéro 3. Et le temps c'est temps de se rapprocher, il est en mesure de faire. Et on vient compléter notre tour de piste. Et plusieurs consolés en regardant la prochaine run. Jonathan Guitard, Francis Doyon. Belle initiation, très rapide de Guitard, mais Francis Doyon est suivi. On touche le coup de pointe intérieur pour Francis Doyon. Jonathan Guitard, on Jonathan Guitard, on va enlever Francis Doyon, réussit quand même à se rapprocher à la fin. Peut-être trop peu trop tard de la part de Francis Doyon. Certains disent Francis Doyon devant Jonathan Guitard. Belle initiation, Francis Doyon. Beaucoup, beaucoup d'angle.
Jeu d'acteur qui se rapproche pas de ses strings. On est obligé de réinitier l'entendre en acteur. Francis Doyon qui met une roue off pendant ce temps-là. Les deux amours. Ça semble être un problème mécanique. Ça ressemble définitivement un problème mécanique. Oh, que c'est triste, on avait quand même une belle run. Oh, Tom Tom. On était dans le champ, on était encore en top 8, tout va bien, on vient de reprendre le tir. Tom Tom qui est perdu. De partir, mais Tom Tom se rapproche beaucoup, beaucoup d'un dernier bec. Wow! Petite correction d'angle derrière la part de Tom Tom. Et avantage, Patsir pour la première run. Patsir chases. Et c'est parti. Oh, hésitation de Patsir. Grosse, grosse hésitation au lancement. Jusqu'à maintenant, Tom Tom, sérieux avantage sur Patsir. Oh, Patsir! Dans une seule run pour Patsir, j'ai pas vu ça souvent. Non, moi non plus. C'est un départ. Francis Tassé devant, Kevin Morin derrière. Oh, Kevin Morin très agressif. On se touche à l'initiation. Francis continue quand même la run. Il aurait pu se contenter de rester dans le gaz. La bonne nouvelle, pas de trouble mécanique, ces voitures, on relance immédiatement. Oh, et Francis Tassé, très agressif aussi à l'intérieur. On se laisse en perdre un prix de garde. Les autres, jusqu'à maintenant, on va un peu trop à l'intérieur. Oh, contact entre les voitures, mais définitivement, Kevin Morin était trop tôt à l'intérieur. On manque plus à Patsir. Vous êtes en mesure de donner une rose de lead par la suite. C'est parti, Smoking Boys. Patsir, Leeds, Doyon. Le Doyon qui a été straight beaucoup plus longtemps de faire une initiation très, très, très tardive. Regardez la proximité. Patsir jusqu'à maintenant. Oh! Et un straight pour Francis Doyon qui a été initié à l'arrière. Pendant que Patsir va passer. On a monté. On a plus de vitesse de la part de Patsir et on étire Francis Doyon. Oh, que Francis a une grosse job à faire si il veut gagner ça. Oh oui, ça pas facile. Boys, Doyon, Patsir. Et très belle initiation de Francis Doyon. Beaucoup d'âme, Patsir qui réussit à conserver la proximité. Très belle, sans jusqu'à maintenant, Francis Doyon. On est un peu loin de l'outside clip. Francis Doyon. Oh, une bonne main d'applaudissement pour le pilote. Oh, exactement. Et c'est reparti. La flamme lead stancée. Belle initiation de la flamme. Excellente initiation. Marquez ça dans votre calendrier parce que moi j'ai pas vu ça souvent. Incroyable, et Jeff Laflamme avait un net avantage. Jeff Laflamme derrière, initiation normalement très rapide. Oh oui, Jeff Laflamme qui est dans la porte de Francis Tassé. Léger contact entre les deux voitures. On reste en plein milieu. Derrière la porte de Jeff Laflamme. On se rapproche énormément de Francis Tassé. Et tout.
tout simplement partir, smoke him! Et partir à l'initiation, beaucoup de vitesse, Francis Tansé, hésitation, avec ça, de droite, gauche, droite, gauche, on se replace très vite, Francis Tansé, partir beaucoup de monde dans la transition, on se replace immédiatement pour l'entrée dans le verre. On va essayer de se sauver de partir. Manque d'angle un petit peu d'abord de Francis Tansé, qui est quand même en plein contrôle. Qui se rapproche derrière. Belle entrée de l'équipe.